Quand j'ai parlé du mythe de la caverne, en réalité, c'est très mal traduit puisque Platon explique avec précision, quant à lui, que lorsque les personnes se sont levées, elles ont pris conscience du fait qu'elles étaient confrontées à l'illusion et que fatalement, mais elles n'ont pu se retourner parce que l'éclat de la lumière était trop intense. Et en conséquence, elles sont montées à l'envers jusqu'à la sortie, à reculons. Voilà, ça fait... Malheureusement, les traductions sont vraiment très, très... Parce que les traducteurs veulent négliger tout ce qui est de l'ordre du jeu de mots, ce que j'ai expliqué, qu'on appelait le sel attique. C'est-à-dire, ce sont des formulations très spécifiques qui demandent de l'esprit. Il faut aller au-delà des apparences, c'est ce qu'on appelle métaphore, au-delà de ce qui est porté. Malheureusement, ça fait défaut. En conséquence, Scaefeli figure, en toutes lettres, si je puis dire, dans le récit que propose Platon. À savoir, lui, tout comme beaucoup d'autres, ont pris ce récit-là et l'ont transposé analogiquement à des choses plus humaines. Alors que les anciens, et c'est là la marque des fabulistes, ils préféraient donner ces choses-là sans particularité, non pas à des individus humains, trop humains, mais à des animaux en général. Quand nous avons, par exemple, dans les fables de La Fontaine, parce qu'elles viennent d'Ésope et Ésope les a prises aux Égyptiens, les fables de Florian, de tout individu comme ça, il en va de même. Ce sont des adaptations d'éléments qui ont été saisis dans la nature, qui décrivent des comportements, des situations qu'on retrouve tout le temps.